Juventus 2, Cagliari 0. C'est collector, j'ai envie de dire, ma présence. Bernardeschi buteur, qui aurait pu le penser ici même à l'Allianz Stadium, des réalisations Sinikin. Et juste après, donc, par l'ancien numéro 33, bien connu. Alors, bien évidemment, vous me faites savoir toutes vos impressions dans les commentaires. La Juve qui a mérité cette victoire, rien à dire sur le score de 2-0. Elle aurait pu même largement marquer plus de buts, mais un petit peu à l'image des dernières saisons. Une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, et surtout à l'image de cette saison, une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui marque finalement très peu. C'est ce qui a énervé Max Allegri au bord du terrain. Là, on a entendu aussi du fait qu'il y a eu très peu d'ambiance à l'Allianz Stadium ce soir. On a entendu, voilà, il faut tirer. Très peu de fois, les joueurs ont été dans de bonnes positions et ont tiré, et ça s'est senti. Dans la globalité, je pense que les Bianconeri auraient pu mettre beaucoup plus de buts, et c'est le vrai regret à faire de ce match quand on sait que Cagliari est une équipe extrêmement faible. Après, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, Cagliari est une équipe en grande difficulté cette saison, et la Juve n'avait pas grande difficulté justement à se créer des occasions face à ce type d'équipe. Mais c'est le même discours depuis tant de matchs et tant de matchs. La Juve ne peut pas finir ce match sur le score de 2-0. Encore plus quand vous savez que voilà, vous vous créez peut-être 20 occasions et que derrière vous arrivez à en mettre que 2-0. Donc ce problème deviendra encore plus problématique face à des équipes encore plus fortes qui vous puniront. On l'a vu, Chesney a fait une parade monstrueuse sur João Pedro autour de la 60e minute, et ça aurait changé complètement le match, et les hommes de Mazzarri seraient revenus complètement dans le match. Comme je vous l'ai dit, ce petit passage à l'Allianz Stadium juste ici est collector. Bernardeschi, plus de 500 jours après son dernier but, retrouve le chemin des filets après un beau match. Voilà, une passe décisive, un but. Il est sur un moment plutôt positif, on va dire un moment qu'il n'avait plus connu depuis bien longtemps. Donc voilà, ça va être positif pour le joueur italien. Évidemment, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation individuelle de Bernardeschi. Venons-en aux prestations individuelles. Je pense que la prestation de Lewis Keane mérite quand même des applaudissements, dans le fait que c'est quand même mieux que lors des derniers matchs. Beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus surtout de détermination d'aller chercher le dernier geste. Et surtout, voilà, ce but qui va lui faire grand bien, quand on sait que Moiskin est un joueur qui aujourd'hui marque vraiment très peu, trop peu pour le niveau et pour l'importance qu'il aurait dû avoir pour le moment en ce début de saison. Finalement, la Juve, on l'a vu lors de ce mois de décembre, quand même limite la casse avec 19 points lors des 24 derniers possibles, il me semble. Donc voilà, revient aussi à moins 4 de la Ligue des Champions, puisque si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires, mais l'Atalanta fait 0-0 face au Genoa. Donc voilà, le mois de janvier sera à vivre avec grande patience, et on se retrouvera ici, avec grande passion, pardon, et on se retrouvera bien évidemment ici pour Juve-Naples dans un peu plus de 10 jours. L'autre prestation qui m'a plu et que je trouve encourageante, c'est celle d'Arthur. Beaucoup de disponibilité au milieu. Alors, on sent encore physiquement en grande difficulté à tenir au moins 70 minutes. On l'a vu, à partir de la 60e minute, Arthur a un petit peu disparu. J'ai trouvé que Allegri l'a fait rentrer un peu tard à la place de Locatelli. Locatelli rentrait un peu tard pour remplacer Arthur. Mais voilà, des minutes qui vont lui faire du bien. Il n'y a que comme ça que Arthur retrouvera peu à peu un niveau correct, puisqu'on parle d'un joueur qui à l'heure actuelle ne jouait plus du tout. La prestation aussi qui m'a convaincu, comme toujours, est celle de Liert, défensivement très propre. Bonucci a tenté toujours de ressortir très propre, là aussi rien à dire. Il faut dire aussi que la médiocrité de Cagliari n'a pas aidé. Voilà, dire que Cagliari aurait pu être remis dans le match grâce quand même à une erreur de la Juve, on va revenir, grâce au banc à un Alexandro en grande difficulté. C'est le pire, encore une fois, de ce match-là. J'ai pas trouvé pire qu'Alexandro. La deuxième période, tous les dangers sont venus de son côté. Très peu de création offensive, en grande difficulté défensivement. Si vous déjà vous êtes en difficulté face aux hommes de Mazzarri, alors là, voilà, on peut se poser des questions. Voilà, Alexandro n'est absolument plus le joueur qu'il était. Et voilà, la concurrence avec Pellegrini, selon moi, n'existe plus. C'est-à-dire que Pellegrini doit assurément être titulaire. Mais voilà, Pellegrini était sorti sur blessure lors du dernier match. Et sans surprise, Alexandro était titulaire. Voilà, ça me semblait être logique. La prestation
de Morata. Je sais que beaucoup vont vouloir y revenir. La prestation de Morata, globalement, est à l'image de ce qu'il propose habituellement. C'est un joueur que, voilà, qui a l'envie d'aller chercher quelque chose, qui a l'envie d'aider ses coéquipiers, d'être disponible, etc. Mais voilà, il n'y a pas le but. Voilà, face au but, ça tergiverse trop. C'est un joueur qui a les capacités de terminer au moins chaque match avec un but. Au moins chaque match, Morata se crée un nombre d'occasions incroyables en terminant le match avec zéro but. C'est problématique pour lui, pour son mental, c'est problématique pour son équipe, puisqu'on l'a vu dans de nombreux matchs. Quand Morata, Morata ne marquait pas, l'équipe derrière ne suivait pas, et encore aujourd'hui, il se crée beaucoup d'occasions, mais le dernier geste a péché. C'est un petit peu à l'image de l'entraînement que, je ne sais pas si vous avez pu le voir, l'entraînement ouvert au public en début de semaine. Allegri a dit tirer, tirer, tirer. Il y avait très peu de tirs qui étaient au fond, et très peu de joueurs prenaient l'initiative d'aller tirer. Et ça se reflète lors du match. Et dites-vous, encore une fois, je le répète, c'était Cagliari en face. Donc c'est comme ça que c'est problématique. Alors qu'il fait un froid polaire ici à Turin, on a réussi à avoir une journée plus ou moins bonne. Mais voilà, là, avec un moins 2, moins 3 ressenti, je pense que l'Allianz Stadium, je vais vite rentrer, bien évidemment, chaud. Évidemment, dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la prestation des Bianconeri. Donc voilà, 3 points importants pour la Juve qui revient peu à peu dans la course à la Champions. J'aurais jamais pu penser dire ça, mais globalement, ouais, les Bianconeri sont encore dans la course à la Champions. Officiellement aujourd'hui, ils y reviennent puisqu'ils sont à 4-4, donc de l'Atalanta. Pour l'année 2022, qu'est-ce qu'il faudra espérer? On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais bien évidemment, le gros point à retenir lors de ce match-là, bien évidemment, c'est les 3 points, mais surtout que cette équipe doit être beaucoup plus efficace, beaucoup, 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 beaucoup plus efficace. Il y a de l'amélioration dans la création. Certes, aujourd'hui, encore une fois, je le répète, c'est une équipe médiocre. Et Cagliari, d'ailleurs, je vois pas comment il pourrait se sauver pour rester en Serie A. Mais même, c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui ne marque pas ça et marque pas assez. Et je vous le répète, hein, ça sera un problème lors de nombreux matchs face à des équipes qui vous puniront directement. Puisque, je le répète là aussi, si João Pedro marque le but et Chesney l'arrête pas, le match n'est pas pareil, et très certainement que le débrief n'est pas comme ça, et vous les tifosi, vous n'avez très certainement pas le même sourire à la fin du match. Les difficultés de parler commencent à se faire sentir avec le froid. Moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, car parfait sur l'actualité sur la Juve, actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Merci à tous, vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre. On se retrouvera ici à l'Allianz Stadium, bam, à l'Allianz Stadium pour le match face au Napoli, un match extrêmement, extrêmement important. Ce sera le premier d'un long rush pour un mois de janvier qui s'annonce palpitant. Naples, puis ensuite il y aura la Supercoupe d'Italie, il y aura le match face à Milan, le match face à l'Udinese, le match face à la Roma, et il y aura aussi au début février le match face à l'Atalanta. Donc voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. D'ici là, on aura le temps de se revoir. Pour les Bianconeri, place aux vacances, reprise de l'entraînement le 30. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.